On m'a dit qu'il y avait des jeunes et tout, beaucoup de diversité, des jeunes qui arrivaient et tout. C'est la première fois qu'ils montaient sur scène pour faire un peu ce genre de choses. Et je trouve que c'est très intéressant, vu que nous on est dans le rap aussi, bon c'est un peu... c'est une petite branche qui se ressemble un peu, donc on est un peu dans ce genre de truc. Donc ça m'intéressait de voir ça, quoi. Alors bah, bonjour, moi je m'appelle Amélia Boucher, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Grenoble. Je m'appelle Badis Mokhtar et j'habite à Grenoble. Et moi je veux être acteur, je suis actuellement en train de réaliser un film, un court-métrage sur Grenoble. Bonjour, je m'appelle Mathilde Lelièvre, j'ai 19 ans depuis quelques jours. Et je suis étudiante à la fac de droit à l'UGA. Alors moi je m'appelle Jip Fertas, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiant, artiste, entrepreneur, donc multicasquette. Je suis Soel Sariaslani, étudiant sur le campus de Grenoble en sciences humaines appliquées. Moi, la ville de demain, c'est une ville où tout le monde serait positif. La ville de demain, c'est une ville sans préjugés. Pour moi, la ville de demain, c'est une ville où tout le monde ose réaliser ses projets. Par exemple, moi qui viens d'un quartier, que parce que je viens d'un quartier, je peux pas être acteur. Tu vois, tout le monde a des préjugés sur tout le monde, pas forcément positifs. Donc pour moi, c'est une ville sans préjugés où tout le monde aime tout le monde. Pour moi, la ville de demain, c'est une ville où tout le monde croit en ses rêves, tout le monde passe à l'action, c'est le mot d'ordre, action et persévérance, et qu'il n'y a plus de confiance limitée. La ville de demain, c'est celle qui a pris conscience des enjeux d'aujourd'hui et qui les maîtrise davantage. C'est une ville qui est unie. Justement, c'est un des enjeux d'aujourd'hui et c'est une ville dans laquelle on est plus heureux, on est dans une forme d'harmonie. Une ville où tout le monde accepterait tout le monde finalement. C'est une ville où tout le monde a confiance en ce qu'il pense, en ce qu'il veut faire. Du coup, ce serait une ville beaucoup plus belle que ce qu'elle est maintenant. C'est une vraie chance, je trouve, que nous donne la ville de Grenoble, parce que le théâtre municipal de Grenoble, c'est quand même un sacré lieu. Y entrer, c'est vraiment majestueux dès qu'on y entre. Et puis moi, j'aime beaucoup l'art oratoire, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir livrer le fruit de mon travail. J'ai fait d'énormes rencontres, et ces rencontres vont me permettre d'avoir un maximum de contacts, avoir une grande à l'aise sur scène, et également partager un domaine qui me passionne, l'art de la musique. Parce que j'ai décidé de dépasser ma peur de parler en public. Parce que je veux être acteur, et on m'a dit de m'inscrire, ça peut être une expérience pour moi. Parce que déjà, moi, devant une foule, je suis pas à l'aise. Donc ça me permet aussi d'améliorer mon expression, mon éloquence. Et voilà. Moi qui adore l'éloquence, c'était une manière de mettre sur scène et d'essayer de m'améliorer, puisque je suis pas forcément toujours très bonne à l'oral. Et je suis très timide aussi, du coup, voilà, j'avais envie de sortir de ma petite zone de confort. Et c'était voilà.